Je bénis le Seigneur premièrement pour sa grâce dans ma vie. Et je remercie mon Père spirituel, Christopher Blake, pour tout ce qu'il a fait. For everything that he's done for me. Avant de commencer, before I begin, je me rappelle il y a trois ans passés, I remember there's 2 or 3 years ago, avant de rencontrer le prophète Christopher, before I had met Prophet Christopher, comme tout jeune, as every young individual, j'étais dans le monde, I was in the world, dans des clubs, de femmes, l'alcool, ces choses, alcohol and all those things. Je cherchais de l'aide. I was seeking help. Et une fois, je me rappelle, j'étais à la maison. And one day I remember I was at home. Je suivais la prédication du prophète. And I was listening to a preaching from the prophet. Mais je ne vois plus cette prédication. Well, you know, I don't even remember which preaching it was. Le prophète parlait sur comment Dieu a changé sa vie. You know, the prophet was speaking on how the Lord had changed his life. Je me suis dit, comment Dieu peut changer la vie d'une personne comme moi? And I told myself, how can God change the life of somebody? Lorsqu'il a donné son témoignage, and when he gave his testimony, je me retrouvais dans son témoignage. I found myself in his testimony. Après, j'étais en contact avec le prophète. And then I came into contact with him. Il a prié pour moi. And he prayed for me. Il m'a aidé spirituellement. He helped me on a spiritual level. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis libre. And today I can say that I am free. Because of the work that he's done over my life. And I bless God for it. Shalom everyone. Shalom à tous. My name is Amandine Kamge. Mon nom est Amanda Kamge. And I really want to say I'm so grateful for your love, Pastor. Je suis reconnaissante pour l'amour. Prophet, my father, my father. Mon père. I'm so grateful. Je suis reconnaissante. I used to be such a confused, lost child. J'étais un enfant confus et perdu. I was so troubled. J'étais troublée. I didn't know where I was going. Until one day, my brother here, mon frère we actually used to party together. On faisait la fête ensemble. And then one day God just, we just took separate ways. Et on a pris des chemins différents. And we started seeking God. Et on a commencé à chercher But Dieu. I was still really lost. Until he told me about our spiritual father. Père spirituel. And then for me, I was so skeptical. Et j'étais sceptique. And I prayed about it. I said, "Oh Father, et if you want me, ça, et j'ai dit, Père, si tu veux, si tu if veux, you want me to meet that man of God, si tu veux que je puisse rencontrer cet homme de Dieu, because I know that there are a lot of men of God out there that do not believe in you." Parce que je sais qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui ne croient pas en toi. Just show me. Just speak to me, because I'll do whatever you want me to do. Je vais faire tout ce que tu veux. And then in a dream, I've never met him. Je ne l'ai jamais rencontré. I've never met him in my entire life. Je ne l'avais jamais rencontré dans ma vie. In a dream, we're supposed to welcome him. Et dans le rêve, on était supposé l'accueillir. And then me, I was so skeptical. J'étais sceptique. I like to be really. I used to be really reserved. J'étais vraiment réservée. And then God showed me I was at the door. J'étais à la porte. And I was observing everyone. J'étais en train d'accueillir tout le monde. How everyone was just going to greet him. J'étais en train d'observer tout le monde, comment les gens étaient en train de le saluer. Sorry. And then I went and I greet him at the last, I was the last person to greet him. Je suis allée le saluer en dernier. And then God showed me his entire heart. Et Dieu m'a montré son cœur. Father, I love you. Père, je t'aime. Because you have a word of God. Parce que j'ai le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu m'a montré. And I don't have any better testimony to say that I will serve you all my life. Je peux te dire que je vais te servir toute ma vie. My children are going to serve you. Mes enfants vont te servir. But the children of my children are going to serve you. Les enfants de mes enfants vont te servir. I will never depart from you. Je n'irai pas loin de toi. Because you have tremendously changed my life through the word of God. Tu as changé ma vie au travers de la parole. And there is such purity. Une pureté, such purity and love, une pureté dans l'amour, that I've never found anywhere else. Je n'ai jamais trouvé. And then when I'm around my brothers and sisters, et quand je suis avec mes sœurs et mes frères et mes sœurs, I have so much joy. Je suis contente. I was telling my sisters that when they're not around me, I'm like, oh gosh, can you guys just come to my place? I'll come, because I love spending time with them. J'ai dit à mes sœurs de venir à ma maison. And that's the love of God. That's
That kind of love that God wants us to have to each for each other. C'est l'amour que Dieu veut que nous puissions avoir pour les autres. So I just want to say thank you for dating God. Actually, through a friend of another pastor. J'ai rencontré le prophète au travers d'un ami. I believe he was there to preach. Il était là pour prêcher. He was speaking English and he was like, and I said something, and so he was like, here, he speaks English, say something to him. J'ai dit quelque chose. And prophet only said one word. Et le prophète n'a dit qu'un seul. And that was it. And then. I was kind of skeptical, like you said. And so I went on, I googled everyone that contacted me. So I googled him and I saw a lot of videos. J'ai vu plusieurs vidéos. And one of the, and in one of the videos, I saw the work he was doing. Et une des vidéos, j'ai vu ce qu'il faisait. I still was not in it. Je n'étais pas dedans. I still felt like he's just like every other man of God that comes that call themselves prophets. So I put, I never followed him afterwards. Et je ne l'ai pas suivi. Months had passed. I had a question to ask him. Moi, j'avais une question à lui poser. And we chatted for a long time and he blessed my life on Facebook. While some people use Facebook in the wrong way, he uses Facebook to do the work of God. Il y a des gens qui utilisent Facebook. And I started believing little at a time, but I was still not 100%. Et j'ai commencé à croire un peu, mais pas à 100%. The following time we spoke, I told him I was moving to Texas from Vermont. La deuxième fois qu'on a parlé, je lui ai dit que je vais venir au Texas. And he said, great, I'm moving to Texas from Ohio. Il a dit que je vais au Texas venant de Ohio. Then I came to Texas. Je suis venu I will actually serve you faithfully. Il m'a ouvert une église où je peux te servir fidèlement. That God searches parce que la parole de Dieu dit, worship him in spirit and in truth. Dieu recherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et c'est ce que moi je veux. Je suis venu ici, je suis allé dans plusieurs églises. Great churches. And I was just not satisfied. Et je n'étais pas satisfait. I was lost. J'étais perdu. In the midst of big crowd. Dans l'assemblée. And then I prophet as he promised that when he comes here he's going to contact me. Et comme il m'a promis que quand il sera ici il va m'appeler. He said we're having a meeting on Saturday with the party. And I never left. Et je n'ai jamais quitté. And I'm satisfied because my spiritual life, parce que ma vie spirituelle, I was one foot in, one foot out. J'étais un pied dedans, un pied dehors, mais depuis que je suis ici, I can't live my life without Christ. I can't live one day without praying. J'ai toutes ces personnes et lui spécialement qui me regardent. It's just I don't know how to explain. Je veux juste te dire, prophet. I'm actually lost for words. Thank you. Merci. For allowing God to work through you. D'avoir permis à Dieu d'agir au travers de toi. To turn DFW upside down. D'avoir tourné. Thank you for that. Because of you, you have won a lot of lost souls. Tu as gagné plusieurs âmes, et tu continues à le faire. Que Dieu te bénisse et continue à le faire. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Powerful prophet of the Lord. Un prophète puissant du Seigneur. He said one day. Many people say in their Christian life they live roller coasters. One day I'm high, and then after I'm low. One day everything is great, and at some time it looks like God has forgotten about me. And he says, brother, the issue is this. You have not learned to make a difference between faith and emotions. He says, God is not only a person, God is an environment that you can create by words of faith. I love it because the church of my spiritual father is called Word of Faith. And so you can create an atmosphere of His presence by the words you declare. Hallelujah. Hallelujah. We're going to make an exercise before it comes because I want the plateau to be elevated. You can manifest God through the words of your mouth. You can manifest the environment of His presence
by the words you say by faith. So this is the example he gave. He said, sometime before I preach, I don't even feel the anointing on me. But I'm not worried. Because as soon as I get on the altar, I say, I am a son of God. Hallelujah. I am anointed by God. Hallelujah. I have been called by the Most High God. I don't serve a dead God. I serve a living God. I don't have to worry about my future. My future is secure in God. He says, whenever I speak the words I believe by faith, and then the anointing starts to step up in me. The presence of God starts to manifest within me. Why? Because faith works through words. So we're going to make an exercise before the man of God comes. I'm going to introduce him in a few seconds. God is about to visit somebody's life right here. I felt a shift of the presence of God. A lot of healing. There's someone here, there's pain on your leg. Right leg, you feel that pain often. Right here, on your right leg. Yeah, right here, yeah? Pain, often. God is about to heal you tonight. I saw you, I know. There's a woman here that came. Whenever she sleeps and wakes up, she has pain on the back right here. On her neck. God is going to heal you tonight. There's some of you right now, and I'm speaking to the crowd in the back here. There were dreams that you're having that you're not set free from yet. God is going to visit your life. Can you believe and say amen? Do you believe and say amen? So let us stand and we're going to say something. Before I give the mic to my father, I'm going to present and introduce him. I love him so much. Lift up your right hand, please. Say, Father, thank you. Because you brought me in your presence. And because I am in your presence, healing is mine. Victory is mine. Dominion is mine. Grace is mine. I will not leave this place in the same way I came. I will not leave this place without a touch of your hand. I will not leave this place without your presence touching my life. If you believe it, say amen. I want to introduce the man of God. Just stand up before I call. Prophet Francis Ngawala is a powerful man of God. He has a great church, one of the greatest churches in Kinshasa, Congo. I was there just a few months. He called his spiritual sons, and we went there to preach the gospel to thousands of people. And through his life, I've been serving him now for years. Frankly, I'll be serving him all my life. But I've seen God heal the sick, deliver people through his life. He is the visionary of the foundation, the voice of divine power. Ngawala Ministries. He travels all around the world. This year alone, he traveled to more than three different continents. And in October, he's going to have a mighty crusade in Guadeloupe. Thousands of people. And so we love him so much. It is a great privilege and honor for us to receive him here. And so I want you to give him the biggest God bless you. Can you clap for Prophet Francis Ngawala as he comes forward in the presence of the Lord?
J'aimerais également remercier et célébrer le prophète Christopher. I would like to celebrate Prophet Christopher. Qui a lancé l'invitation pour que nous puissions être là. Who invited us to be here. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. And I believe that there's something that's going to take place tonight. J'étais en train de dire, je crois qu'il y a quelque chose. I was saying that I believe something is going to take place tonight. J'étais en train de dire, il y a quelque chose. No, I said I was saying that something is going to take place tonight. J'ai la folie de croire en Dieu. Que lorsqu'il est là, to believe so that if, when he's there, il y a toujours quelque chose qui change. Something always has to change. Je sens la présence de Dieu. I'm telling you, I feel the presence of God. Je sens la présence de Dieu. I feel the presence of God. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. When somebody asked me a question. Quand vous dites vous sentez la présence de Dieu. When you say you feel the presence of God. Vous sentez quoi au juste? What do you feel exactly? C'est ce que nous allons voir ce soir. This is what we're going to see tonight. Amen. Amen. Et je bénis toutes les personnes qui sont là and ce soir. Bless every individual that's here tonight. Il y a des personnes que je connais depuis très longtemps. There's people that I know for a long il y a des time gens que now je suis en train de connaître aujourd'hui. And there's people that I'm getting to know mais today, que je connaîtrai pour longtemps. But that I will also know que Dieu vous bénisse. May God bless est-ce you que nous pouvons lever la main? Can we lift up your right hand? J'aimerais que quelqu'un ce soir puisse dire à Dieu. I want somebody to tell God. Seigneur, j'aimerais être dans ta présence. Say, Lord, I want to be in your presence. Élevons nos voix, prions. Lift up your voice and let us pray. Alléluia. Maître de l'univers. Oh, merci,
La même main droite que tu avais. Listen, the same right hand that you lifted. J'aimerais que tu la poses sur ton corps. I want you to place it upon your belly. L'Esprit de Dieu m'a montré une vision. The Spirit of God showed me a vision. Dans cette vision, j'ai vu des gens qui sortaient. Listen, in this vision, I saw people coming out. La pièce était exiguë. That place, it was a small place. Et les personnes se précipitaient pour sortir. And people were in a hurry to get out. Avant que nous puissions enseigner la parole. You know, L'Esprit de Dieu me dit. The Spirit of God is telling il y a des personnes qui sont en train de sortir there are people that are coming out d'une situation qui a dérangé. Of situations that were bothering them. Il y a des personnes qui sont en train you de know, sortir. There's people that are coming out c'est quelque chose qui est resté longtemps. Of things that stayed in you for too long. Un état de possession ou d'oppression in a place of oppression qui est resté longtemps. That was too long. Quand tu as ta main sur le vent, as you place your hand in your j'aimerais que tu dises adieu. I want you to tell God. Ce soir, say tonight, c'est mon jour. It's my night. Et j'aimerais que tu me délivres. And I want you to deliver me. Avant que je n'aille dans ta présence. Before I enter into your presence. Délivre-moi. Deliver me. Je n'aimerais pas aller dans ta présence. I want to go into your presence. En étant chargé. Being charged. Commence à parler à Dieu. Come on, just begin to speak to God. Dans deux minutes, je vais parler. Just begin to speak to God. Begin commence to speak à parler to God. À Dieu. Tu connais peut-être la chose qui te dérange déjà. Des nuits bizarres. Des rêves bizarres. Une vie bizarre. Alléluia. Alléluia. Garde ta main sur ton ventre. I want to pray. Keep your hand in your belly. Le protocole va circuler dans la salle. Let's just make sure you're walking around the room. Il y a des gens que Dieu va délivrer maintenant. There's people that God is going to deliver even now. Qui seul le Saint-Esprit continue à jouer. La soif que tu as de voir Dieu. You know the thirst that you have to see God. Elle va se concrétiser maintenant. Tonight it's going to be filled. Il y a des personnes que Dieu. There's people that God. Est en train de sortir des rêves. That he's taking out and bringing dreams out of them. Est en train de sortir d'une situation. Taking them out of situations. Garde la main sur le ventre. Just keep your hand in your belly. Je vais parler. I'm going to speak. Alléluia. Tout le monde a les yeux fermés. Everybody, your eyes closed. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lord God Almighty. Je te bénis pour ta présence. I bless you for your presence. Je te bénis pour ta grâce. I bless you for your grace tonight. Je te bénis parce que tu es là. I bless you because you're here. Je parle maintenant à quelqu'un. I'm speaking now to somebody. Je parle à l'esprit du personne. And I'm speaking to the spirit of that individual. Que la chose qui te retenait. That the thing that was stopping you. Que la chose qui t'empêchait. That the things that were hindering you. D'aller loin. To go forward. Commence à te libérer. Let those things begin to let go of you. Que ce lien de sang. That those ties in your bloodline. Qui t'avait rendu victime. That made you a victim. Te libère. Let go of you now. Yes. Il y a quatre personnes. There's four people. Que tu es en train de délivrer. That God is delivering. Avant que j'annonce sa parole. Before I speak the word. Il y a des gens qui vont sentir quelque chose monter. There's people that are going to feel things coming up out of them. Un souffle monter. Your breath might get. Un cri monter. You might feel a breath or a shout out of you. Dieu est en train de te délivrer. God is delivering you. Maintenant, au nom de Jésus. Right now, in the name of Jesus. Toi qui retenais l'esprit de quelqu'un. You who was retaining somebody's spirit. Toi qui bloquais la maternité d'une personne. You were hindering somebody's toi qui travailles dans ses rêves. You who work in their dreams. Et toi qui travailles dans la vie de sa famille. You work in the life of their family. C'est un ordre que je te donne. It's an order that I'm giving you. Je libère maintenant. You are letting go right now. Je dis tu libères maintenant. I'm saying you're letting go right now. Sors.
son nombre de cartes. J'en vois déjà une. Tu libères maintenant. I see him. You let him go right J'ai dit, tu libères maintenant. I said you're letting tu go right sors de là où tu te tiens. You are leaving. Là où tu t'es caché, tu libères. Where you are hidden, you are leaving. Sors vite. Get out. Ça monte, c'est fort. It's strong upon you. Sors vite. Get out. Tu as bloqué la maternité de la dame. You've hindered this person's childhood. Sors de là. Get out. Sors de là. Get out. Je dis sors de là. I said get out. Sors de là. I said get out. Sors de là. Get out. Allez, sors de là. I said get out. Sors de là. Come out. Libère-la vite. Let go of her now. Tu travailles dans les rêves de deux personnes. You manifest in people's dreams. Et dans leurs rêves, tu voles des choses. And in their dreams, you take things from them. Là où ces deux personnes se trouvent. Where those two people are. Je parle à cet esprit. I'm speaking to that spirit. Et bien, libère-les maintenant. Let go of them right now. Je dis libère-les maintenant. Come out of them right now. Libère-les maintenant. Let go right now. Maintenant. Right now. Order that I gave you. Tu t'exécutes. You will execute. J'attends les deux autres qui restent. I'm waiting for the other two. Tu les libères maintenant. You let it go right now. J'ai dit tu les libères maintenant. I said you're letting go right now. J'ai dit tu les libères maintenant. I said you're letting go right now. Tu les libères maintenant. I said you're letting go right now. Tu les libères maintenant. You are letting go right now. On fait prie pour la sœur qui est derrière. Au fond à gauche. Tu les libères maintenant. You're letting go right now. Yes. Tu les libères. J'ai entendu un cri monter d'une vie. I heard a cry come out of a life. Parce que le diable est en train de lâcher prise. Because the enemy is letting go. Et je dirais pourquoi Dieu a préféré que nous commencions par là. And I ask myself why God wanted us to start here. Sors vite. Leave. Je dis sors vite. I said get out. Sors vite. Come out. Que tout lien de sang. That every tie. Que tout lien de famille. That every Libère maintenant. Come out right now. Avant qu'on passe à la présence Before de Dieu. Before going to the presence of je God. Je te donne l'ordre de libérer. I'm giving you the word to tu let pars go. Maintenant. You are coming out right now. Et que toute résistance soit brisée. Every resistance be broken. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu pars maintenant. You are leaving now. J'attends les autres. I'm waiting for the tu pars maintenant. You're leaving now. Que toute condamnation dans la Let vie. Libère maintenant. Let go. Que toute condamnation dans la vie. Mettez quelque Let chose et va vomir. J'ai dit, tu sors maintenant. Mettez rapidement. Que toute forme de condamnation. Annulée. Cette condamnation ce soir. Je suis en train de l'annuler. Libère-la vite. Stop. Let her go. Plus vite. Let go. Allez, plus vite. Come out. Plus vite. Come out. Encore quelqu'un d'autre que Dieu est en train de libérer. Fais vite, fais vite, fais vite. Fais vite. Sors de là où tu te caches. Come out of what you have. Il y a trois souffles qui montent. There's three breaths coming out. Et quand ça monte, Dieu est en train de passer. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Tu fais tes bagages. 2. Tu prends tes bagages. 3. Tu sors maintenant avec tes bagages. Tu sors maintenant avec tes bagages. Je dis, diable, tu n'as plus de place dans cette vie. Tu n'as plus de place dans cette famille. Et tout ce que tu avais volé dans les rêves, tu es en train de partir avec. Mais ce que Dieu avait donné, Dieu est en train de rendre. Allez, libère-la. 1, 2, 3, go! Sors! Come out! Yes! Yes, tu as vu ce souffle monter. Oh, je sens une présence de Dieu. Augmente-moi le son du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. J'ai vu trois personnes, il en reste une. Prenez vos deux mains posées sur les rangs. Prenez deux mains. Nous irons au-delà de quatre personnes. Parce que Dieu m'a dit, je dois commencer par là. Avant de parler de sa présence. Libère ma vie. Que les liens de sang. Libère ma vie.
que les réclamations s'arrêtent maintenant. Je dois réussir. Je dois percer. J'irai de l'avant. Diable, tu es un perdant. Attention. Qu'est-ce que tu as parlé? Quelque chose est en train d'arriver. Because you spoke, something is taking place. Diable, partout où tu te cachais. Devil, wherever you are hiding, c'est un ordre que je te donne. It's an order that I'm giving you. Je vais compter à trois. Premièrement, je dis, diable, tu prends tes bagages. Saying, devil, you are taking your belongings. Deux, tu prends tout ce que tu as sémé. You are taking everything that you sowed in this life. Et trois, and three, tu commences à partir. You are leaving. Ce souffle-là qui monte. That breath you feel coming out of you. Ce cri qui est en train de monter. That cry you feel coming out of your belly. C'est la chose qui te retenait. That's the thing that was stopping you. Et qui est en train de te libérer. And that is now letting go of you. Dieu m'a dit, il y a des gens qui sont venus pour leur délivrance. God told me people came here for their deliverance. Et je devais commencer par eux. And I had to start. Libère maintenant ces vies. By setting free these lives. Libère-les maintenant. Let go. Of these lives. Il y a un mouvement qui est dans la salle. Libère-les maintenant. Let go. Libère-les maintenant. Come out of them. Lien de sang. Every bloodline. Esprit de réclamation. Every spirit of callbacks calling back to you. Come out. Je ne négocie pas, c'est un ordre. I'm not negotiating. It's an order. J'ai dit sort. I said come out. Sort. Come out. Sort. Come out. Sors. Come out. Que tout souffle à l'intérieur. Toutes ces personnes qui se sont identifiées, qu'elles avancent. All those people who recognize themselves in what I said, come forward. Dans les paroles que j'ai dit, tu t'es identifié. In the words that I said, you recognize that you were, you took a part of that. Come forward. Avance, je vais prier. Come forward, I'm going to pray. Avancez, alignez-vous devant. Come forward, come forward, I'm going to pray. Redonne-moi le son du Saint-Esprit. Père, nous couvrons ce lieu de ta présence. Father, we cover this place with your presence. Ok. Que tes anges se mettent en mouvement ici. Let your angels be in movement over this place. Posez vos mains sur vos ventres. Bless your hands on your belly. Tu es fidèle. You are faithful. Il y en a encore qui restent, venez. There's more. Come forward. Dieu m'avait demandé de travailler en deux parties ce soir. God told me to work in two parts tonight. Venez, on va prier. Come forward, we're going to pray. Tendons nos mains. But we're going to stretch our hands. Et nous disons à Dieu. And we're going to tell God. Que ce jour. That today. Soit leur jour. Let it be their day. Disons-le à Dieu. Say it unto God. Mais vous qui êtes devant, soyez calmes. Those who are in front here. Les mains sur le vent. Put your hands on your belly. Ce soir, j'aimerais dire. Tonight, I want to say. Que le diable est un menteur. That the devil is a liar. Mais que seul Jésus est vrai. That only Jesus is true. Que le diable est un menteur. That the devil is a liar. Et tout ce que tu as planté. That everything that he had planted. Tout ce que tu as sémé. Anything that you have dans sown. Dans la vie de toutes ces personnes. In the life of each and every. Ce soir, tu vas partir avec. Tonight, you are letting go. Je répète, ce soir, tu tonight, vas partir you are avec. Leaving with it. Je répète encore, I ce soir, again, tu vas partir tonight, avec. You are leaving with it. Tes éternels recommencements. Every rebirth, une vie en cycle. A life in cycles. Ce soir. Tonight, ces gens doivent être délivrés. Car aujourd'hui nous sommes venus. Afin de vivre autre chose. Ok, vous pendant que vous avez les mains sur les ventes. Si vous sentez quelque chose monter, laissez ça sortir. Si vous avez envie de cracher, crachez. Maintenant ça commence. Je dis maintenant ça commence. Je dis maintenant ça commence. Allez, tu libères leur vie. Je dis tu libères leur vie. Attention, tu libères leur vie. Je dis tu libères leur vie. Libère la vie de cette sœur. Tu t'en vas loin d'elle. Je dis tu t'en vas loin d'elle. Et les choses que tu retenais, tu lâches. Allez, tu lâches. Sors maintenant. Je dis sors maintenant. Sors. Sors vite. Sors vite. Allez, sors vite. Je dis sors vite. Libère. Que tout lien de cordon umbilical sorte de l'église. Au nom de Jésus. Au nom de
tu sors de ces vies. Sauveur, viens, tu as pris avec moi. Tu sors de ces vies. Je dis, tu sors de ces vies. Dans la vie de cette jeune fille. J'ai vu quelque chose qui a la forme d'un escargot. L'un de ses parents avait été plongé dans le fils. Et il avait emmené la famille avec lui. Mais ce soir, Dieu me dit, il est en train de libérer sa servante. Il est en train de libérer sa servante. Tu sors de cette vie. L'esprit de limitation. Les gens vivent la même chose. Et ne vont pas au-delà d'un certain niveau. Alors ce soir, je parle à cet esprit. Tu la libères. Allez, tu la libères. J'ai dit, tu la libères. Tu la libères. Allez, tu sors de là. Libère la vie. Au nom de Jésus, dans la vie de cette maman, j'ai vu qu'il y avait de l'huile conversée sur elle. Mais cette huile conversée, elle était sale. It was dirty. Parce qu'on a pris sa vie. On a donné ça à des malades. On a donné ça à des esprits morts qui ont commencé à travailler. Qui ont commencé à la bloquer et qui la ramènent souvent dans ses rêves quelque part où elle avait été alors qu'elle n'y est plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu libères la vie de cette maman. Si elle est là, c'est parce qu'elle sait que Dieu est à l'heure. Au nom de Jésus, tu libères sa vie. J'ai dit, tu libères sa vie. Cette marque qui était là et qui permettait de contrôler sa vie, qui permettait d'influencer sa vie. Maintenant, je te parle. J'ai dit, maintenant, je te parle. Libère-la. Libère-la. Un grand appel divin.
cause de cet appel. Because of this call. Diable, tu le libères. Devil, you are letting go. J'ai dit à cause de cet appel. I said because of this call. Diable, tu le libères. Devil, you are letting go. Est-ce qu'on peut augmenter le son de mon micro? À cause de cet appel. Because of this call. Diable, tu le libères. Devil, you are letting go. Non, il y a des souffles qui vont monter. There's deep breaths that will come out of you. Sors de la vie de ce jeune homme. Come out of the life of this young man. Sors de la vie de ce jeune homme. Come out of his life. Sors de la vie de ce jeune homme. Come out of his life. Il ne succédera pas à qui il a choisi. You will not submit to whatever soul. But he will serve God. Diable, dans le nom de Jésus, tu m'as fait. Bizarre, mais je sens dans mon esprit. Il y a une visitation particulière pour cette femme. À cause de cela même, tu libères sa vie. À cause de cela même, tu sors de cette vie. J'ai besoin d'une sœur, tenez-la la hanche. Allez, à la hanche. Okay. Nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu as perdu ta place. You have lost your thought. Tu as perdu ta place. You have lost your place. Tu as perdu ta place. You have lost your place. Elle vivra le bonheur dans son mariage. Elle sera heureuse dans sa vie. She will be happy in my life. Ah, elle vivra le bonheur. She will live goodness. J'ai dit, elle vivra le bonheur. I said she will live happiness. Et la chose qui lui manque. And the thing that was lacking in her. Exode 24, verset 9 à 18. The book of Exodus 24. Est-ce que tu peux encore dire à ton voisin, Dieu est ici? Tell your neighbor, God is here. Exode 24. The book of Exodus 24. Verset 9 à 18. Verse 9 to 18. Tu peux lire avec nous. The word of God says, then went up Moses and Aaron, Nahab and Abihu, and 70 of the elders of Israel. And they saw the God of Israel, and there was under his feet as it were a paved work of sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness. And upon the nobles of the children of Israel, he laid not his hand. Also they saw God, and did eat and drink. And the Lord said unto Moses, come up to me into the mount, and be there, and I will give thee tables of stone, and a law, and commandments which I have written, that thou mayest teach them. And Moses rose up, and his minister Joshua, and Moses went up into the mount of God. And he said unto the elders, tarry ye here for us, until we come again unto you. And behold, Aaron and Hur are with you. If any man have any matters to do, let him come unto them. Verse 15. And Moses went up into the mount, and the cloud covered the mount, and the glory of the Lord abode upon Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days, and the seventh day he called unto Moses out of the midst of the cloud. 17. And the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. Verse 18. And Moses went into the midst of the cloud and got up into the mount. And Moses was in the mount
40 days and 40 nights. Amen. 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 Exode 33, verset 1. The book of Exodus 33. Seigneur, merci. Verse 1. The Bible reads, and the Lord non, said verset to Moses. 21. Verse 21. Yes. Excuse me. The word says in the book of Exodus 33, verse 21, 19. And the word of God says, and the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God, and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Le thème qui m'a été donné ce soir, c'est la gloire de la présence de Dieu. En fait, quand on parle de la gloire, et quand on parle de la présence de Dieu, on a l'impression que les deux sont pareils. Parce que dans une certaine dimension, les deux sont inséparables. Je vais aller rapidement. Qu'est-ce qu'on appelle la présence de Dieu? Bien aimé, avant de bien définir ce qu'on appelle la présence de Dieu, j'aimerais d'abord dire ceci. I first want to say this. C'est vrai que la religion, that it's true that religion et même la parole de Dieu and even the word of God, nous enseigne que Dieu est présent partout. Teaches us that God is present everywhere. Alors si Dieu est présent partout, and so if God is present everywhere, comment pouvons-nous parler encore de la présence de Dieu? How can we then speak of this presence of ce serait une aberration. You know, it's a kind of, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, I want to tell somebody Dieu est présent ici. That God is present here. Au même moment, il est présent at à Kinshasa. The same time that he's present in Kinshasa. Au même instant, il est présent and at à Abidjan. Same time he's present in Abidjan. Il est présent à Dakar. He's present in Dakar. Il est présent en Inde. And he's present in India. Et je peux choquer en disant, and il est présent au ciel. He's even present in the heavens. Il est aussi présent en enfer. And he's even present in hell. Amen. Amen. Sauf que le Dieu qui est au ciel, yet nonetheless the God that is in heaven, il règne. He reigns. Mais le Dieu qui sera présent yet the en God enfer, that will be present in hell, il châtie. He will chase. Mais il fera les deux au même moment. Yet he will do the both of them at once. Lorsqu'on parle de la présence you know, de Dieu, we'll talk about the presence of God, on quitte la dimension du Dieu qui est présent partout. We come out of the dimension that God is everywhere. Mais on entre dans une dimension, and we enter into dimension où non seulement que Dieu where est là, not only is God here, mais il a la capacité yet de he se has manifester. The ability to manifest himself. En réalité, la présence so de truly, Dieu, the presence of God, c'est quand Dieu est it's là when God is here, et qu'il fait valoir sa présence. And that he makes his presence known. Et la chose qui fait valoir la and présence the thing de Dieu that makes the presence of God known, s'appelle le mouvement. It's called the movement. Dans le monde spirituel, in the realm of the spirit, c'est le mouvement, it's the moving qui montre que Dieu est là. The moving that shows that imaginez God is present. Imaginez lorsque la Bible dit sentez et voyez. Imagine when God, the word says that taste and see bon, how great the Lord donc is. Donc même la bonté de Dieu, so even the goodness of God, avant d'être un don reçu, before it becomes a gift that is given, elle est d'abord une un sentiment it is first a feeling that is felt. Elle est d'abord un mouvement exprimé. It is first an expressed moving. La présence de Dieu. The presence of God. C'est lorsque Dieu est là. It's when God is there. Et non seulement qu'il est là. And not only is he here. Mais il se manifeste. But he's manifested. C'est ça la présence. That is the presence of God. Et quand nous disons Dieu est là, and when we say that God is here, c'est en ce moment-là qu'un miracle it's at that time that a miracle takes place. Pourquoi le simple fait de dire Dieu est là? Why do we simply say God is here? Est en train de déclencher quelque chose. And that simple fact. Parce que la conscience. La conscience de la présence de Dieu crée le mouvement. It creates the moving of God. Partout je réalise que so Dieu est là. Everywhere that I reckon that God is, il y a un mouvement en ma faveur. There is a moving in my favor. Oh, tu m'as pas compris. No, you didn't understand. Je disais partout je réalise said, que Dieu est là. Everywhere I recognize that God il y a un is mouvement there en ma faveur. There is a moving in my favor. Je peux regarder but la sœur de loin. Look at the sister from mais lorsque je me rapproche d'elle, et qu'elle se met en mouvement, and that she is moving, si nous sommes collés, if we are tied le mouvement together, qu'elle est en train d'exécuter, the moving that she is executing, m'amène à comprendre une chose. Non seulement que je suis avec elle, that not only am I with her, mais je suis également en train d'exprimer le mouvement avec elle.
La présence de Dieu. The presence of God. Est une richesse de l'esprit. It's a richness in the spirit. Qui amène l'homme à s'émouvoir. That allows the man to move. Là où les gens ne l'attendaient pas. When which people did not expect. Là où personne ne pouvait espérer le when voir. No one could have expected quand to il y a see la présence de Dieu. When there is the presence il y a of God, un mouvement de there Dieu. Is a moving of God. Alors c'est quoi la présence de Dieu? And what is the presence c'est of le God? Mouvement de Dieu. It is the move of God. Par lequel Dieu étire la gloire. That by which God takes glory. Ou devrais-je dire, c'est le mouvement de Dieu. Or can I say that it's the move au travers duquel that which Dieu tire l'occasion d'être élevé. God takes the opportunity to be lifted. Et ce soir, j'aimerais dire and à quelqu'un, tonight I want to tell somebody, Dieu est présent. And God is present. Amen. 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 Dieu dit à Moïse, God tells Moses, il dit, nous sommes dans le verset 12, when verse 12 d'Exode 24, in the book of Exodus, il dit, monte vers moi. He says, go up before me. Sur la montagne. On the mount. Et reste là. And stay there. Prophète. Mais comment prophet, Dieu aurait dit à how Moïse can God tell Moses de venir vers lui to go towards him si Dieu était partout pareil? If God was everywhere at once. Alléluia. Dieu est partout pareil. God is everywhere. Mais il dit à Moïse, yeah, he tells monte vers moi he sur says, la montagne. Come up before me on the mount. Devons-nous dire que Dieu habite sur les montagnes? So should we say that God lives upon the mountains? Devons-nous penser que Dieu est sur should les montagnes? We assume that God is only upon the mountains? Quand Dieu dit à Moïse, when God tells Moses, monte vers moi, he says, go up before me. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, that in the presence of God, il existe des lieux où Dieu est plus présent. Where in which God is more present than elsewhere. Il existe des environnements. Où Dieu est plus présent. Where in which God is more present than in other times. Dieu dit à Moïse, so when God tells Moses, monte vers moi, come up before me. Moïse comprend deux choses. Moses understands two things. Il doit changer son point d'application. He needs to change his way of being. Ça veut dire son pied doit l'amener vers Dieu. His feet need to take him towards God. Dieu veut faire comprendre à Moïse une deuxième chose. God wants to make Moses understand a second thing. Sur la montagne, that when you come up upon the mountain, tu dois croire que j'existe. You should believe that I exist. Et si tu crois que j'existe, and if you believe that I exist, je te manifesterai. I will manifest myself. Et la Bible dit quand Moïse monta, the Bible said that when God la nuée remplit la montagne. Et Moïse entra dans la nuée. And Moses entered into the clouds. On peut entrer dans la présence so de Dieu. So we can enter into the presence of God. Mais sans entrer en Dieu. Without entering in God. La présence de Dieu peut être contagieuse. God can be contagious. Ça veut dire on peut se retrouver dans un environnement we can find ourselves in a place où il y a des cancers qui disparaissent. Where there's cancers that are il y a des sinas qui disparaissent. That there are AIDS that are il y a des maladies bizarres and qui sont strange on n'a pas prié pour vous. That they didn't pray for mais vous avez cru que yet in a way you understood and you believed that God was there. On ne peut pas we cannot parler de Dieu speak of God sans parler de la présence without speaking Dieu. Of the presence of God. Dans Hébreux 11, 6, la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, let him who comes before God, croit que Dieu existe. Believe that God exists. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, let him who comes before God, mes frères, soyons sérieux. Beloved, let's be serious. C'est que Dieu veut dire ceci. So meaning that God is trying to say il ne faut pas qu'il croit you can't believe pour s'approcher. In order to come. Donc il peut quand même s'approcher. So you can come. Mais sans croire. Without believing. Mais sauf que s'ils croient. Yet if they believe. En s'approchant. In coming. Dieu le paye. God gives. Celui qui croit. He who believes. En s'approchant. In coming to God. Active le mouvement de Dieu. They activate the moving of God. Oh, tu n'as pas compris. J'étais en train de dire. Listen, I was saying. Celui qui croit. That he who believes. En s'approchant. As they come to God. Active le mouvement they activate the move of God. Mais c'est quoi donc croire? So then what is believing that God exists? C'est de penser une chose. It is to think one. Je ne m'approche pas devant une statue. I'm not coming before a statue. Je ne m'approche pas devant un vieux barbu. I'm not coming before an old bearded man. Mais je m'approche devant quelqu'un. But I'm coming before somebody. Qui a la capacité de se lever par son corps. Who has the ability to approach somebody. Qui a la capacité de s'approcher de moi. Who has the ability to approach somebody. Qui a la capacité de me toucher. Who has the ability to touch somebody. Les gens qui chantent Dieu vient sont heureux. People who sing and God comes they are happy. Mais les gens à qui Dieu dit vient. But those that God tells them to come. Sont rares. They are rare. Alléluia. Comment Alléluia.
Dans la présence de Dieu, in the presence of God, il y a plusieurs stades. There's different stages. Dans la présence de Dieu, in the presence of God, il y a un endroit. There's a place. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? You know what happens? Quand je viens dans la présence de Dieu, when I come into the presence of God, et que je crois que Dieu existe, and that I believe that God exists, avant de croire qu'il existe, but before believing that he exists, j'ai d'abord cru que j'existe. So then I first believe that I exist. La conscience de la présence so de the Dieu consciousness of the presence of God crée en l'homme, it creates within man la capacité de the toucher ability Dieu to touch God. Ce qui fait que dans la présence de meaning Dieu, that in the presence of God, Dieu est un esprit. God is a spirit. Je suis un esprit. I am a spirit. Dans la présence de Dieu, within the presence of God, nos deux esprits se frottent. Both of our spirits connect. J'ai rencontré des hommes, you know, I've met men, infatigables dans le travail. You know, they never get tired when it mais j'ai rencontré un Dieu. Yet I met a God. Il a dit à l'homme, he told man, si tu t'approches de moi, he said, if you cling unto en croyant me, que j'existe, if you come unto me believing that I exist, je vais te payer. I will pay you. Parce que la Bible dit qu'il est le rémunérateur. Because the Bible says that he is the reward de ceux qui le cherchent. Of them who diligently seek. Ce qui veut dire un rémunérateur, that he's a rewarder, c'est quelqu'un qui te paye. A rewarder is somebody who pour un rewards travail accompli. Who rewards you for a job. Et quand nous parlons de la présence de Dieu, talk about the presence le of God, seul travail que Dieu attend de nous, the only presence that God is awaiting of us, c'est de croire qu'il est là. Is to believe that he's there. Croire que Dieu est là n'est pas facile. That God is there. Pas facile. Believing that God is there isn't easy. Quand les choses ne bougent pas, when things are moving comment je croirai qu'il est là? How can I believe that he's si there? Je crois qu'il est là, if I believe that he's there, c'est parce que je sais qu'il est Dieu. It's simply because I know that he's God. La présence de Dieu, you know, the presence of God, c'est un mouvement. It's a movement. Mais la présence de Dieu, yet the presence of God, c'est aussi un lieu. It is also a place. Quand il dit, viens, when he says, come, va sur la montagne, go upon the mountain, viens à côté de moi, come near to me, le même Dieu va un jour dire à Élie, and it's that very same God that tells Eli, il le dira d'abord à Moïse, he tells him first to Moses, il dit, tu iras sur le creux du rocher, place yourself before je the rock, passerai par là, I'm gonna pass by. Comment Dieu ne peut pas passer dans la vallée? How can God not just pass by mais the valley? Pourquoi il veut passer sur la montagne? Why must he go through the mountain? Parce que la présence de Dieu, because the presence of God, c'est une dimension où l'homme se déchire. It is a dimension in which man tears où himself. Où l'homme dit à Dieu, where man tells je ne God sais pas qui tu es. That I don't know who je you ne sais are pas ce que tu veux faire. I don't know what you want to do. Mais déchire. But break me. Amen. Déchire. Break. C'est pourquoi la présence de Dieu, that's why the presence of God, c'est le commencement d'une histoire glorieuse. It's the beginning of a glorious story. Et partout où il y a la présence and de Dieu, where the presence of God is, Dieu agit toujours. God manifests. Quelqu'un m'a donné un amen. 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 Dans Luc 1, 19, in the book of Luke, chapter 1, verse 19, on pose la question à l'ange. They ask a question unto the angel. On lui dit, mais qui es-tu? They say, well, who are you? Il dit, je m'appelle Gabriel. He says, I am Gabriel. La version grecque dit you know, the Greek version says this. Je suis Gabriel. It says that I am Gabriel. Là où Dieu se tient. Where in which God stands. C'est là même que je me tiens. That is where I stand. Mais comment un so, ange how can an angel a pu frapper un prophète? Was able to strike a prophet au point de le rendre muet. To the point where the pendant que le prophète mute, est loin de Dieu. Where in which the prophet is anointed by God. Pendant que l'ange n'est pas un loin de Dieu. Although the angel is not anointed. Dieu n'investit pas l'esprit saint dans l'ange. Invest the Holy Spirit in mais comment le prophète? So then how is it that the prophet, le sacrificateur, the high priest, l'ange peut lui dire, the angel can tell, tu deviendras muet. That you will be mute. Et il devient muet. And he becomes mute. Jusqu'à ce qu'un enfant naîtra. All the way until the child was born. Dieu avait dit à l'ange, God told the angel, apporte le message. Bring forth this message. Mais Dieu n'avait pas dit à l'ange, yet God didn't tell the angel, frappe le sacrificateur, to strike the high priest. D'où lui est venue cette autorité? Where did this authority come from? D'où lui est venue cette force? Where did he get this strength? Parce que dans la présence it's because de Dieu, in the presence of God, il y a une dimension, there is a dimension où nous sommes transformés, where we are transformed, à l'image que nous voyons, in the image
in which we see God. Pourquoi ceux qui aiment la présence. That's why those who love the presence of God. Ils sont introduits dans un renouvellement perpétuel. J'habite avec Dieu. That because yes. I dwell parce que with je pénètre la présence because de Dieu. I enter the presence of God. J'ai sur moi la parole créatrice. I have upon me the creative word. J'ai sur moi la parole de Dieu. I have upon me a word of authority. J'ai sur moi et avec moi. I have upon la me parole qui change les situations. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. I want to tell somebody. Nous n'avons pas besoin que Dieu nous dise toujours ce qu'il faut faire. We don't always need God to tell us what mais to si do. Je pénètre la présence but de Dieu, if I enter into la the presence pensée of God, que je reçois, the thoughts that I receive, elle devient une autorité sur laquelle je me bats. Et par de là, je peux dire à un homme que ta situation a changé. That your situation il n'est pas tombé. Il n'est pas crié, il n'a pas crié pardon. He didn't cry. Mais qu'est-ce qui m'amène à croire but what brings me que sa situation a changé? That his situation parce changed. Que j'ai l'autorité. It's because I've got où est-ce que j'ai eu l'autorité? Where did I get je l'ai tiré de la présence I de Dieu. Et ceux qui vivent dans la présence and de Dieu, ils atteignent une dimension dans leur vie où ils commencent à parler comme Dieu. Ah, je n'ai pas compris. Ils atteignent une dimension dans leur vie où ils commencent à parler comme Dieu. Ils commencent à prévoir les choses et les choses qu'ils prévoient arrivent. Tu dois arrêter de croire que tout ce qui doit t'arriver, ça doit dépendre des démons. Mais tu dois commencer par croire que les choses qui vont t'arriver dépendront désormais de la parole qui sort de ta bouche. Dieu n'a pas créé le monde par les mains. God did not create the world by his hands. Mais il a créé le monde par une parole. But he created the world by a word. Et ceux qui demeurent dans la présence and de Dieu, those who dwell in the presence ils ont of la parole qui change la situation. Ils ont la parole qui change les événements. Ils ont la parole qui change les choses. They've got words that change things. Nous étions à Paris dans une croisade. You know, we were in Paris during a crusade. Christopher était là. Christopher was there. J'ai dit à une dame. I told a lady. Que ton cancer disparaisse. I said let your cancer disappear. Je ne lui ai pas imposé les mains. I did not lay je n'ai pas crié. I did not shout. Deux minutes après. Two minutes later. La dame va se rendre compte. The lady reckoned. Que tous les signes extérieurs qu'elle avait du cancer. That every exterior signs of cancer had disappeared. Mais qu'est-ce qui a fait que ça disparaisse? What made it disappear? Dieu ne m'avait pas dit je vais la guérir. God didn't tell me I would heal her. Dieu ne m'avait pas dit je la guéris. God didn't tell me that I'm healing her. Mais d'où m'est venue la parole de ton Dieu? Where did this word of authority come from? Parce que je vis dans la présence de Dieu. It's because I dwell in the presence of God. Et quand je suis dans la présence de Dieu, la présence de Dieu est contagieuse. The knowledge of God is contagious. Oh my God, tu n'as pas compris. Oh, you didn't understand. Dieu a dit à Moïse. God told Moses. Nous sommes dans Exode 7, verset 1. Il dit, lorsque tu iras devant Pharaon, when you will come before Pharaoh, moi Dieu, I God, viens, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. I need somebody else as well. Je vais expliquer ça. I'm going to explain this. Come. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un de plus petit de taille que le prophète. I need somebody a little shorter than the prophet. Viens, quelqu'un de petit de taille. Anybody, somebody just a little shorter. Maman, venez s'il vous plaît. Sister, come. Maman, pouvez venir? Non, la maman avec les cheveux jaunes, pouvez venir. Venez. J'aime bien la masse qu'elle a. Ça me permet de bien expliquer ce que j'ai dit. It allows me to explain what I'm trying to say. Dans Exode 7. In the book of Exodus 7. Verset 1. Verse 1. Dieu dit Moïse. God says Moses. Venez, montez ici. Come here. Ou bien venez, nous on descend. You know what, we'll just go down then. Dieu dit Moïse. God says Moses. Écoute ce que je vais faire. Listen to what I'm going to do. Admettons que cette sœur soit Moïse. So let's admit the sister is Moses. Elle procède d'elle. Elle vient d'elle. And she's coming from that. Et elle représente her. Dieu. And that lady behind her represents God. Maman, venez devant. Mother, come. Soyez en face. Venez devant, en face. Face elle, right? Dieu dit à Moïse. And so God tells Moses. Moïse. Moses. Devant Pharaon. Before Pharaoh. Tu deviendras moi. You're going to become I. Dieu ne dit pas à Moïse. God doesn't tell Moses. Je te donnerai mon onction. That I'm going to give you my anointing. Dieu ne dit pas à Moïse. He doesn't tell Moses. Je te donnerai ma parole. That I'm going to give you my word. Dieu ne dit pas à Moïse. He doesn't tell Moses. Je te donnerai ma gloire. That I'm going to give you my glory. Mais Dieu dit à Moïse. He tells Moses. Moïse. Moses. Tu seras Elohim. You are going to be Elohim. Ça veut dire.
tu ne seras pas une partie de Dieu. You're not going to be a portion of God. Mais tu seras Dieu dans but sa you pluralité. Are going to be God in his totality. Je répète, tu seras Dieu dans say sa pluralité. Again that you are going to be God in his totality. Et so Dieu a dit à Moïse, lorsque tu seras devant Pharaon, je me cacherai derrière toi de sorte qu'on ne me voit pas. So that I may not be seen. Mais là où on ne me verra pas, yeah, where they will not see on me, te verra. They will see you. Parce qu'en réalité, because in reality, moi Dieu, I, God, je suis derrière toi. I am behind you. Je vais te pousser. I'm gonna push you. À aucun moment. And at no time, Dieu a dit à Moïse, and at no other time did je God tell Moses quoi dire devant Pharaon, that I'm going to tell you what to say before Pharaoh. À aucun moment. But didn't say, parce que Dieu savait. Because God knew, en investissant Elohim en Moïse, in investing Elohim into Moïse avait l'intelligence. Moses had the intelligence. Moïse avait la révélation. Moses got the revelation. À chaque instant, Moïse and savait ce qu'il fallait faire. Moses knew what to do. Et quand Pharaon voyait Moïse, Moses, il disait, mais comment cet homme peut le résister? L'homme Moïse, the man Moses, c'est le même de qui la Bible dit dans Exode 33 que lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu et qu'il en ressortait, sa peau brillait. His skin shone. Et Dieu lui parlait comme God un ami. Spoke to him il lui friend. Parlait face à face. He spoke to him face to est-ce que je peux te dire quelque chose? Can I tell you something, Dieu ne peut jamais être derrière God un homme can never be behind a man. Devant qui il ne s'est jamais tenu. Est-ce que je peux te dire? Can I tell you? L'Esprit dira aux disciples, the Spirit will tell the disciples, on vous entraînera devant des cours et tribunaux. So that they will bring you before the tribunals. N'ayez crainte de ce que vous aurez à dire. But do not fear au même moment, say, for at the l'Esprit same vous dira quoi dire. The Spirit of God will tell you what un homme say. Derrière qui Dieu se cache a man by which God is hiding est d'abord un homme qui s'est tenu devant same, Dieu. It's the first the man who stood before l'homme God. L'homme qui s'est tenu devant Dieu. The man that stood before God. Pendant qu'il est devant Dieu. While he is before God. Dieu est derrière lui. God is behind him. Je m'en pas compris. You didn't understand. Pendant qu'il est devant Dieu. While he is before God. Dieu est derrière lui. God stands behind him. La présence de Dieu. The presence of God. Est un monde silencieux. It's a silent. Mais c'est quand on en sort. Yet it's when you come out. Que les mouvements suivent. That the move follows. Quand Moïse était avec Dieu. When Moses was with God. Il ne savait pas que son visage brillait. He didn't know that his face shone. Mais quand il sortait. Yet when he came out. Et que les hommes se prosternaient. And when men would bow. Il a compris qu'il y a quelque chose d'anormal. That something abnormal. Cette chose d'anormal. That thing that was abnormal. S'appelle la présence de it's Dieu. It's called the presence of God. Dieu vous bénisse, maman, Dieu vous bénisse, ma soeur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que la présence de Dieu commence premièrement. It first begins lorsque l'homme réalise que Dieu existe. When man realizes that God exists. Mais dans la présence de yet Dieu, in the presence of God, la première révélation que Dieu nous donne, the very first revelation that God gives c'est la révélation de sa sainteté. It's the revelation of his holiness. Amen. On peut bâtir un grand ministère. We can build a great on peut devenir un grand homme. You can become a great man. On ne résistera pas à certains vents. Yet we will not resist to certain winds. Lorsqu'on n'a pas connu when we have not known la révélation de the la revelation of the holiness of God. Là où Dieu ne s'est pas encore révélé where comme God ça. Hasn't been revealed mais to là où il n'a fait que faire un mouvement. Where he only had a move. Dieu n'a pas investi dans l'homme. God didn't invest in man. En ce moment-là, Dieu est en train de travailler à cause de son and nom qui est invoqué par see that God is manifesting because of his name. Parce que les hommes savent que nous sommes appelés because, de son nom. Because men know that we are called of his name. Alors Dieu agit. And so that's why est-ce que je peux te dire quelque chose? Can I tell you something? On peut avoir l'onction sans avoir Dieu. You can have the anointing without having mais God. On ne peut pas avoir Dieu yet sans avoir l'onction. We can't have God without having the anointing. Dieu ne se répand ni de ses dons, God does not repent ni de ses grâces, nor his grace. Mais on ne peut pas condamner la présence de Dieu à demeurer pendant qu'on vit dans le péché. You cannot want the presence of God to dwell while you live in sin. Il est difficile de se pérenniser dans le ministère. It's impossible to sans se pérenniser dans la présence de Dieu. Without entering
entering into the presence of God. Or la chose qui crée la pérennité dans la présence the, de Dieu, the thing that creates fulfillment c'est la révélation de sa sainteté. It's the revelation of quand un homme reçoit la révélation when de la sainteté, il réalise sa sainteté. He realizes his alors là, il se prosterne devant Dieu. And then he et comme les 24 êtres vivants, il dit, Seigneur, toi seul est dit, Saint, Saint, you are holy. Saint est l'Éternel. Holy, holy toi seul est dit, you de recevoir l'honneur, yeah. La louange praise et la gloire. And glory. Parce que tout le monde peut venir chez Dieu. Pastor, everyone can come to God. Mais tout le monde ne peut pas demeurer but en Dieu. Everyone cannot dwell in God. Il y a des dimensions dans la présence. There are dimensions in the presence. S'approcher de Christopher, that coming towards Christopher ne veut pas dire qu'on le connaît. Does not mean you know Christopher. Mais celui qui le connaît yet he who knows manifestera ses habitudes. Will manifest his habits. Il manifestera sa sainteté. He will manifest his holiness. Chez nous, à la parole de foi, nous disons une chose. My church, word of ne me dis pas seulement ce que Dieu a fait. We say, don't just say what God mais dis-moi aussi comment il l'a fait. But also tell me how he did it. Ne me dis pas Dieu m'a béni avec une voiture. Don't tell me, oh God bless me with a mais dis-moi comment il t'a béni tell avec me une how voiture. He bless you with that vehicle. On peut donner une prophétie pour tirer de l'argent. Can give a prophecy in order to on peut donner un enseignement pour we escroquer. Bien aimé, vous le payerez un jour. You know you will pay for it. Mais quand la présence de Dieu est là, quelqu'un dira, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous lorsqu'il nous parlait? Est-ce que nos cœurs n'étaient pas en train de tressaillir? Ils n'ont pas reconnu l'homme, mais ils ont été dans sa présence. Là où Dieu est, c'est là que je vais me tenir. Quand tu t'en prends à un homme qui connaît la présence de Dieu, when you find a man who knows the presence of God, tu rencontreras le Dieu de ses alliances. You will meet the God of his covenants. Je préfère m'en prendre à n'importe qui. I cannot mais jamais à celui qui a déjà vu la gloire. Quelle est la différence entre la gloire et la présence? What is the difference between the glory and the la présence peut être statique. The presence can be something la présence et la gloire révèle but ce que la présence est. But the glory reveals what the presence is. La gloire, the glory, elle vient it comes pour révéler to reveal ce que la présence de Dieu that in which the presence of God is. En fait, la gloire. So in reality, the glory, c'est l'enveloppe de ce qui est caché. It's truly what shields what is hidden within. La présence est dedans. The presence is hidden within. La gloire vient. The glory comes. Et quand les gens voient, ça c'est and Dieu. And when people see, they say, this is God, this is God. Mais il faut aller au-delà. You must go beyond. Au-delà de la gloire. Yes. Beyond glory. Au-delà de la présence. Beyond presence. Il y a Dieu. There's God. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un Dieu traite sa présence God deals with his presence avec beaucoup d'honneur with a lot of honor. Quand on parle de la présence de Dieu when we talk about the presence of God, vous ne pouvez pas chiquer comme si vous étiez à la plage you can't just be, you know, chewing parce que celui duquel nous parlons because the one that we're talking about, il est grand alléluia. He's great alléluia. Un jour, j'étais dans la présence de Dieu. One day I was in the presence of God. Je ne savais pas c'est quoi. I didn't know what it was. Je sentais mon cœur bouillonner. I felt my heart boiling. J'ai eu ma délivrance dans ma chambre. I had my deliverance. J'ai crié, j'ai vomi. I cried out and I vomited. C'était il y a 25 ans. It was about 25 years on ne m'avait pas imposé les mains. Nobody on ne m'avait pas dit esprit impur sort. Mais quand j'ai demeuré dans la présence de Dieu, le démon a compris qu'il ne peut pas rester là. En fait, quand tu chasses un démon, il peut se coller à toi pour te suivre. Mais quand tu te prosternes dans la présence de Dieu, le démon qui t'a suivi te lâche. Parce que le diable peut avoir un problème avec l'onction, mais il n'aime pas avoir un problème avec la présence de Dieu. La présence de Dieu, the presence of God, c'est quand Dieu révèle son cœur. It's when God reveals his heart unto man. C'est pourquoi dans Osée 6, verset 6, that's why the book of Hosea 6, la Bible dit connaissons, the Bible says, cherchons à connaître, and seek to know. En Hébreu, ce verset dit ceci. In Hebrew, this word says, pénétrons Dieu, let's penetrate into God, et pénétrons-le davantage, and enter into him
J'ai connu des choses dans la présence. You know, I've known things in the presence of God. À l'époque, j'étais président d'un chapitre des jeunes du Full Gospel. You know, at a time, I was the president of one of the chapters. Nous sommes en 1998. And about 19. On est en pleine prière. Nous étions à 13 personnes. And we were praying about 13. La présence de Dieu descend. The presence of God came down. Oh, Dieu m'est témoin. I tell you, God, les gens se lèvent, ils se mettent à danser. People, they stood, they began Il n'y avait to pas dance. De musique. There was no à voir de loin. To see on dirait ces jeunes sont ivres. Well, on dirait ces jeunes ont perdu la tête. Mais en fait, ils n'ont pas perdu Yet la tête. Mais ils ont perdu la raison humaine. They lost the human pour adopter la raison divine. To be able to adopt a divine c'est ce que reason. Fait la présence That's de Dieu. Voilà pourquoi j'aime la présence That's de why Dieu. I love the Car dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se chante. Il y a une mélodie qui monte. Il y a une parole qui est dit. C'est dans la présence de Dieu que Dieu peut t'appeler d'un nom nouveau. Les gens t'appellent Christopher. Christopher. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu peut t'appeler d'un nom que les gens n'ont pas entendu. Et comment tu sauras que Dieu est là? Même au milieu d'un désert dans ta vie. C'est lorsqu'il t'appellera par ce nom-là. Dans la présence de Dieu. In the presence of God. C'est là que Dieu révèle un nom de Christ. That's where God releases a name of Christ. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai cru que Dieu m'avait abandonné. Where I thought God had Tout le monde était contre moi. Everybody was Tout le monde s'était levé contre moi. Everybody rose Je priais, le ciel était des reins. I prayed. And call upon the heavens. Un jour, j'adorais Dieu. And you know, one day, I en forçant même les paroles, even just trying to bring out words, quelque chose me couvrir. I felt something cover me. Il m'a appelé d'un nom. He called me a name. Après, il n'a rien dit. And then he said nothing else. Mais j'ai vu la situation se décanter d'elle. I saw the situation dissolving on its own. Parce que la présence de Dieu Because the presence of God est d'abord un monde d'intimité. It is first the world of intimacy. Et je peux te dire quelque chose. Il y a des gens avec qui il ne faut pas aller dans la présence de Dieu. Parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Il faut aller dans la présence de Dieu. Avec des personnes qui disent, je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas où. Mais allons chez Dieu. Quelqu'un m'a donné la bénédiction. M'avait préparé à la mauvaise nouvelle. Et quand la mauvaise nouvelle est arrivée, mais ce que les gens disent, ça nous fait mal. Ça ne veut pas dire que nous n'entendons pas. Mais ça veut dire nous avons décidé de ne plus les écouter. Mais d'écouter ce que Dieu nous dit. Est-ce que quelqu'un m'a donné la bénédiction? Oh, j'aime la présence de Dieu. Dans deux semaines, je parlerai encore de la présence de Dieu. In 2 weeks, I will speak again of the presence of God in this city. Alléluia. C'est que quand je grandissais, you know, when I was growing up, j'avais un dos comme ça. I had a hunched back. Et un jour, je suis devant le miroir. And one day, I stood before the mirror. Seul, je sens la présence Alone, de Dieu. I felt the presence of God so strong. Et puis, je me dis, je vais faire une folie. I said, I'm going to do something crazy. J'ai dit à Dieu, est-ce que tu as remarqué mon dos? I said, God, have you noticed my back? Dieu m'est témoin. Au moment où j'ai dit, est-ce que tu as remarqué mon dos? At the time that I told him, une voix m'a dit, regarde bien. A voice told me, look, depuis ce jour-là, pay attention. And since that day, my back became straight. Parce que dans la présence de Dieu, Because in the presence of God, à force de vous occuper de ce que Dieu est, In occupying yourself with who God is, Dieu s'occupe de ce qui ne va pas God then begins to take care of what is going on in your life. Tout le monde n'est pas appelé à être un intercesseur. Everyone is not called to be an intercessor. Mais tout le monde est appelé à être But un adorateur. Everybody is called to be a worshiper. L'adorateur se préoccupe de ce que Dieu est. The worshiper worries about who God is. Alors Dieu se préoccupe de ce And qui retient son attention. God worries about what Je vais vous étonner. I want to shock you. Et je le dis. And I say it. Et Dieu m'est témoin. And God is my witness. Frère, ça fait plus de 10 ans.
Beloved, it's been more than 10 years that in my life, quand je veux une chose, when I want something, et que je décide de l'avoir, and I decide to have it, je ne prie pas pour ça. I don't pray for it. Qu'est-ce que je fais? What do I do? Je vais seulement adorer Dieu. I go and I worship. Quand sa présence descend, when his presence comes down, mes pensées vont vers la chose que je veux. My thoughts go towards the thing that I want. Dieu répond. God. Parce que dans la présence de Dieu, because in the presence of God, l'esprit devient libre. The spirit then becomes free. À l'église des fois, je leur dis, nous n'aurons pas les moyens pour faire telle chose. Sometimes at church, I tell them, we don't have the means to do so. Mais nous le ferons. But we will do it. Un jour, quelqu'un m'a dit, on doit beaucoup prier. Somebody told me, we need to pray a lot. Dieu n'a jamais dit à l'église, priez beaucoup, priez God beaucoup, priez beaucoup. Tell the church, pray a lot, pray a lot. Il n'a pas dit, priez beaucoup pour avoir. He didn't say, pray a lot. Mais il a dit, demandez. He said, ask. Il sera donné. Amen. C'est une parole simple. That's a simple word. Mais à qui est-elle réservée? But to whom was it given to? Aux gens qui aiment la présence. To those who love the presence of God. La présence de Dieu. The presence of God va vous introduire dans la facilité de Dieu. Will introduce you into things that are easy. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. I feel something taking place. Quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es là. Tell your neighbor, God is here. Oh, dis-lui bien, Dieu est là. Tell him, God is here. Ah, 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 dis-lui bien, Dieu est là. Dis-lui bien, Dieu est là. Tell him, say, God is here. Ah, dis-lui encore bien, Dieu est là. Dis-lui même si tu m'aimes pas. Even if you don't like me, God. La présence de quelqu'un qui m'a fait du mal, the presence of somebody who's hurt me, ne doit jamais m'empêcher de profiter du fait que Dieu soit. Can never stop me. Détestez-moi. On va s'appeler. Adorons d'abord. Let's worship first. Adorons d'abord. Let's first worship. Allons dans la profondeur. Let's go into the deeper things. Christopher, un ministère qui est bâti dans la présence. Christopher, a ministry that is built upon the presence. Doit porter les marques de la sainteté. Needs to carry on the une grandeur là où il n'y a pas de sainteté. A greatness where there is no holiness. C'est une machine que le diable va posséder. It's a machine where the devil will possess later. Après, on va dire, mais comment ces hommes de Dieu se détournent? They said that, how can these people, how can these men of God? Parce qu'ils ont reçu la révélation. It's because they received revelation. De ce que Dieu avait dans les mains. Of what God had within his hands. Mais ils n'ont pas reçu la révélation. But they didn't receive the revelation. De ce que Dieu était. Of who God was. Or la présence de Dieu. Whereas the presence of God. Vous introduit dans ce que Dieu est. Alléluia. C'est pourquoi des fois David disait. That's why sometimes David would say. Il y a ceux qui disent de moi. He would say that there's those who say. Il n'y a plus de salut pour eux en Dieu. That there is no longer salvation for those who are in Christ. Je sais. And once he said that I know. C'est toi mon roi. That I know that you are my king. C'est toi mon bouclier. That you are my joy. Tu relèves ma tête. That you lift up my head. Comment un homme dans la désolation? How can a man who is left in desolation peut-il continuer à croire? Can continue to believe? C'est lorsqu'il sait. It's when he knows que Dieu est présent. That God is indeed present. La présence de Dieu rend agréable. The presence of God makes it pleasing, makes things pleasing. Agréable. Pleasing things. Dans la présence de Dieu. You know, within the presence of God. Même les langues ne sont pas les mêmes. Even your tongue speaking in tongues is c'est pourquoi dans Jean 7, 37. It's because in the book of Job 7:37. The Bible says that sont des débats qui prouvent que quelqu'un peut être mondialement connu mais sans connaître la présence de Dieu. Parce que c'est que ce qui se passe dans la présence de Dieu. Mais à l'époque je suis à l'église de la mort. Je me mets à parler en langue. Alors que je parlais kimombo. Whereas I was actually speaking another et dialect, mon voisin était mon grand. And my neighbor understood. Moi, pensant prier, and I thought I Dieu was praying. Parlait. God was really talking to dans my la neighbor. Présence de Dieu, in the presence of God. Il faut apprendre à être comme un enfant. You need to learn to be as a child. Qui dit à son père, who tells his father. Là où tu m'amèneras, says that wherever you take me. J'irai. Là où tu m'amèneras, where you will take me. J'irai. I will go. J'ai dit, là où tu m'amèneras, where yes. You take me. J'irai. I will go. C'est pourquoi bien aimé. Vous savez, that's why, beloved, je peux vous parler jusqu'au matin.
I can speak to him until the morning. Dans la présence de Dieu. In the presence of God. Même les langues qu'on parle. Even the tongues we speak. Ça change. Alléluia. Ça coule. It flows. Yes. Qui vous a dit qu'on doit tous parler rabashi? Who told you that we all gotta speak tongues in the same way? Il a dit voici le miracle. He said, yes. Qui accompagneront ceux qui ont cru. Go with those who believe. Des nouvelles langues. New tongues. Avec S. With an S. Couleront de leur sein. Will flow within them. Quand nous adorons Dieu. When we worship God. C'est dangereux. It's a very dangerous thing. C'est dangereux. It's a very dangerous thing. Un jour, on adorait Dieu. One day we were worshiping God. Avec deux amis. With two friends. Dieu est tellement descendu. God came down so mightily. Ce jour-là, on a entendu un bruit de tonnerre dehors. That day we heard sounds of thunder. Whereas it was very hot. Une lumière est entrée dans la salle. A light came upon the room. Il y avait un canapé dans la salle. You know, we had a couch in the room. Non, nous étions deux, le frère et moi. There were about two of us. It was me and the other brother. Nous avons soulevé le canapé. And we lifted up the couch. Nous avons fait entrer nos têtes en bas. And we put our heads underneath the couch. On ne voyait pas la personne. We couldn't see the person. Quelle gloire! My God. Such a glory. À ce moment-là. And at that time. La gloire. The glory. A matérialisé la présence de Dieu. Materialized the presence of God. Et quand on est sorti de là. And when we left, j'ai rencontré un garçon qui me dit, I met somebody begging unto me. Je lui donne 10 dollars. And I gave them money. Je lui impose la main. And I laid hands on the beggar. Et il s'est mis à parler. And then he spoke. Oh my God. Parce que dans la présence, because in the presence of God, les choses coulent. Yes. Things flow. Vous savez, il y a des débats que nous avons dans l'église. You know, sometimes we have debates in the il y a des haines et des rancunes que nous there's avons. Bitterness and hatreds that parce we have que nous ne naviguons pas dans la même sphère. We don't navigate within the same sphere. Nous ne naviguons pas dans la même dimension d'esprit. Là où tu navigues, where you navigate déterminera aussi les personnes qui seront avec toi. Will also determine the people that will be with you. Wow. C'est pourquoi quand nous nous prions, that's why when we pray, nous ne passons pas le temps à dire rababababashi. We don't spend time to et à la fin, on a mal à la tête. And say things and then we mais have quand a nous adorons Dieu en when we worship God et que nous lui parlons, and we speak to him, nous lisons à Comperodophia Kaochich. Dans une nous prions, le Romain nous va le voir parler. Dans une minute, je vais faire mon suite. L'aide nous vient de ton temps, c'est ton barrage. Pourquoi? Parce que ça coule. Why? Because it flows. La dimension dans laquelle tu adores Dieu en langue. The dimension in which you worship God. C'est en réalité la dimension dans laquelle tu es en train de naviguer au it's même really moment. It's really in reality the dimension you're navigating. Et quand je vais aller plus loin. And when I go further. Comme si c'était programmé. Yes. It's as if it was programmed. Je sors encore des rababababashi. I get out. Of whatever tongues people speak. Je parle avec mon cœur. Yet I speak. Je parle avec mon esprit. I speak with my spirit. Dans la présence de Dieu, celui qui parle en langue augmente son intelligence.